disputer notre premier match de la saison au Centre Vidéotron, accueillons nos adversaires de ce soir, les Tigres de Victoriaville. Depuis maintenant plus de 7 mois, nos travailleurs essentiels sont au front jour après jour afin d'assurer le bien-être de tous. Une épreuve les mettant dans une situation à risque, mais ayant également des répercussions sur leur famille. Nous tenons à souligner aujourd'hui leur contribution, leur dévouement, leur générosité et leur bravoure. Vous méritez tout notre respect et notre reconnaissance. Avec nous ce soir, nous avons le plaisir de remercier notre partenaire Dessercom et ses paramédics pour leur travail remarquable. Mille merci à tous nos héros de la pandémie. Outre la crise qui nous affecte tous actuellement, notre société fait également face à son lot de défis. Au cours des derniers mois, nombre de personnes à l'échelle planétaire se sont mobilisées pour dénoncer les inégalités sociales liées au racisme. En tant que leader dans notre communauté sportive, nous dénonçons ces gestes et favorisons l'établissement d'un environnement sain pour tous au quotidien, peu importe les différences de chacun. Justice. Educated. Freedom. Égalité. Social justice. Éducation. Enough. Freedom. Le hockey est pour tous. Together against racism. Le sport est pour tous. Hockey is for everyone. Black lives matter. Black lives matter. Black lives matter. Black lives matter. Le hockey est pour tous. Black lives matter. Veuillez maintenant vous joindre du confort de votre salon aux étudiants de 6e année de l'Académie Saint-Louis sous la supervision musicale de Mme Stéphanie Boisvert pour l'interprétation de notre hymne national présenté par Under Armour. Cérémonie d'ouverture de façon très professionnelle. Bravo à toute l'équipe d'animation des Remparts de Québec. Ça a été bien fait avec classe, cette cérémonie d'ouverture de la saison 2020-2021 des Remparts de Québec. Devant le filet pour les Remparts, le numéro 60, Thomas Sicoin, 6 pieds 194 livres. Il est natif d'Amos. L'an passé, il évolue avec le Phoenix de Sherbrooke. Les Remparts ont fait son acquisition. L'an passé, 18 victoires en 26 matchs pour Sicoin. Devant le filet pour les Tigres de Victoriaville, le numéro 64, Fabio Jacobo,
Il est âgé de 18 ans, il en aura 19 le 26 octobre prochain. 6 pieds 1 pouce, 198 livres. Jacobo a récolté hier soir son quatrième jeu blanc en carrière dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Les Tigres, eux, ont amorcé leur saison hier à domicile avec un gain de 4-0 contre l'Océanique de Rimouski. 28 de leur chandail rouge cet après-midi.